Eh bien le bonsoir à tous, c'est ZerTech59 et on se retrouve pour une petite vidéo sur Sony Vegas pour un petit tuto pour vous apprendre comment faire un bon réglage de rendu pour votre vidéo. Donc tout d'abord vous allez dans fichier, vous allez ouvrir, vous allez importer une vidéo. Donc voilà, vous ouvrez un fichier, n'importe lequel, celui-là que vous intéresse. Vous attendez que votre petite barre en dessous elle charge. Voilà, vous attendez que ça charge, ça va tout doucement, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, vous attendez, vous voyez, vous aurez une petite barre de chargement qui va être ici, ça va s'afficher, donc pour dire que les données audio et vidéo sont là. Excusez-moi. Donc voilà, vous avez votre vidéo, vous avez mis votre intro, votre outro et tout ça. Maintenant, pour faire votre réglage, vous cliquez sur panoramique et recadrage d'événements. Vous cliquez sur, vous aurez une petite page aussi. Vous y avez marqué source, conserver les proportions. Vous cliquez dessus, vous cliquez non pour dire que ça agrandisse l'image en temps réel. Après, vous mettez votre petite barre qui est là. Vous cliquez un peu n'importe où. Vous voyez, vous cliquez n'importe où. Il y a une petite barre qui vous suit. Vous la mettez au début. Vous passez votre souris sur la barre qui clignote. Hop, vous attendez que ça fasse un petit bout comme ça. Et hop, vous étirez jusqu'à la fin de votre vidéo. Et donc vous voyez que les bornes noires sont parties d'un côté, mais il y aura toujours des bornes noires au-dessus, parce que si votre écran n'est pas en bonne haute définition, 1920 sur 1080p, vous aurez pas 100 barres noires, quoi. Enfin bref, si vous avez sur Minecraft, tous les autres jeux, ça marche, mais pas sur Splinter Cell, parce qu'en fait Splinter Cell est en haute définition, du coup... Enfin, vu que j'avais tourné mes anciennes vidéos, ça marche pas sur tout le monde, ne vous inquiétez pas, vous avez un bon écran, rassurez-vous, ça va marcher. Donc vous allez faire fichier, vous allez faire run en tant que, vous allez attendre, vous renommez votre vidéo, qu'est-ce que vous voulez, moi je vais marquer vidéo, on va marquer FR, voilà, vous marquez votre, mon jeu, vidéo, détente, Splinter Cell, bon c'est l'épisode 6, mais je veux dire, voilà. Donc vous êtes vous uploadez, enfin voilà, vous marquez votre nom, vous mettez le titre, vous choisissez, voilà. Moi j'ai marqué un titre comme ça, c'est fait. Donc vous allez dans Windows Media Video V11 entre parenthèses étoile.wm, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite flèche noire. Vous êtes dans 720p, ou soit vous pouvez choisir 1080p, c'est comme vous voulez. Moi je préfère 720p parce que c'est la même chose pour moi. Donc du coup vous faites ce que vous voulez, vous cochez bien, de toute façon toujours ça sera coché rendant uniquement la région de boucle. Vous faites personnaliser le modèle, vous allez dans vidéo, vous montez la petite barre où il est marqué le plus lent, vous choisissez là. Puis si vous voulez monter la haute définition, voilà, vous pouvez changer aussi la taille de l'image. Vous mettez 13 par seconde et là vous mettez la moitié. Donc ça veut dire 6. Non, 5, pardon, excusez-moi. Bah non. Ouais, 6. Après, vous allez dans débit binaire, vous avez rien à changer. Dans index et résumé non plus. Vous allez dans qualité du rendu vidéo, vous mettez optimisé. Et si vous voulez faire un rendu mode stéréoscopique, et ben ça je sais pas, parce que là, franchement... je crois que c'est vous choisissez bien différence, comme ça vous êtes sûr que voilà ça... Ça joue la qualité et tout ça, moi je m'en rappelle très bien maintenant, parce que vu que j'en parle. Et puis voilà, si vous n'avez pas besoin de ça, ben vous y touchez pas, quoi. Donc voilà, donc je vous rappelle le rendu, voilà, vous avez tout ça. Vous avez juste à toucher dans vidéo et projet. Vous cliquez OK, vous faites rendre, vous attendez que votre vidéo soit finie, et puis voilà. Donc vos vidéos seront en haute définition, vous entendrez encore une meilleure qualité d'image. Et tout avant, je vais annuler ce truc. Par contre, si vous voulez, par exemple, vous allez m'entendre en double, mais écoutez bien. On reste concentré. Les ennemis se préparent pour une autre attaque. Voilà, vous voyez, désolé, ça lag un peu sûrement chez vous. Donc voilà, si vous voulez augmenter le son que vous croyez que vous entendez pas bien dans la vidéo, regardez. On reste concentré. Les ennemis se préparent. Voilà, donc voilà, et puis... Bien sûr, si vous entendez un son de malade comme ça, là, un petit bourdonnement, excusez-moi. Donc, si vous voulez baisser, vous cliquez sur ce petit estompe de sortie, et hop, vous le cliquez, et puis regardez, vous entendez moins. Donc, du coup, et après, vous réglez jusqu'à temps que vous entendez plus. Bien sûr, on vous entend un peu moins sur votre vidéo, mais c'est comme ça que vous avez un micro assez, on va dire, pourri, quoi, on va dire. Donc, voilà. Voilà, et après, je vais vous montrer dans le prochain tuto.
aussi comment faire un réglage vidéo pour mettre la qualité. Enfin, la qualité, c'est déjà expliqué. Mais pour vous montrer comment faire des effets vidéo, des ralentis, et aussi bien d'augmenter le son parfaitement, rajouter un petit son de musique derrière si vous voulez un peu d'ambiance dans vos tutos. Moi, je vais en mettre, bien sûr, tout à fait, parce que j'adore la musique d'ambiance. Et sinon, j'espère que cette petite tuto vous a plu et que vous avez apprécié la vidéo et que je vous ai bien aidé. Et si vous avez des problèmes au niveau des fichiers, comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois la vidéo pour dire que vous avez compris, ou si vous n'avez pas compris, ajoutez-moi sur Skype et puis envoie-moi une invite. Je vais pouvoir vous aider à faire votre rendu sur Sony Vegas Pro 11. Et du coup, voilà, ou sinon vous m'envoyez un message en privé ou vous mettez dans les commentaires. Et en tout cas, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et pour info, je vais changer bientôt mon logo. Mon logo n'est pas encore fait, je suis en train de le faire. Mon background est déjà changé. Donc j'espère qu'il... Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'espère qu'il vous a plu. Enfin, qu'il vous plaît, quoi. Et on se dit pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo gaming. D'ici là, portez-vous bien. Et puis on se dit à la prochaine, les amis. Et encore, profitez encore de votre dernier jour de vacances. Ciao. C'était Zertex59 pour les tutos. Ciao.